Dans cette vidéo, je vais te partager quelques exercices que je fais en début de séance pour m'échauffer. Alors bien sûr, il s'agit que de mes exercices. Ils ne peuvent pas convenir à tout le monde et je t'invite à partager les tiens en commentaire si tu en as envie. Alors quand je m'échauffe, je vais le faire un peu sur trois niveaux en fait. Premièrement, je vais faire un échauffement uniquement physique, donc de déliement des doigts et de synchronisation main droite, main gauche. Ensuite, je vais m'échauffer sur le point de vue harmonique, en incluant également des éléments de la connaissance du manche. Et puis enfin, je vais m'échauffer d'un point de vue mélodique, donc avec un jeu, avec un exercice plus basé sur les gammes et les arpèges. Ce premier exercice, c'est vraiment un exercice physique de synchronisation que je vais faire pour me délier les doigts. Je vais y passer entre 2 et 3 minutes en général. Dans ce deuxième exercice, je vais choisir une tonalité et travailler en fait mes accords, donc l'harmonisation de cette tonalité, que ce soit en triade, donc travailler mes triades ou mes accords à quatre sons, mes accords de passage, mes substitutions, tout ça. Donc ça va à la fois me faire travailler techniquement le jeu en accords et également plus mentalement la connaissance du manche. Et par la même occasion, ça fait travailler l'oreille aussi. Dans ce dernier exercice, je vais prendre une suite d'accords qui appartient à la même tonalité que dans l'exercice précédent, comme ça je reste dans une tonalité par jour, et je vais venir travailler soit des gammes, soit des arpèges, soit éventuellement des plans. Ça va donc me permettre d'améliorer ma connaissance du manche et ma technique avec en particulier l'aller-retour médiator ou l'hybrid picking selon la technique que je suis en train de travailler. Cette routine de travail, je l'ai mise en place au fil du temps et je la modifie aussi régulièrement selon ma progression en fait. Elle repose sur le fait de mettre en situation les choses. J'aime pas trop faire des exercices, à part le premier qui est donc purement de se chauffer, dont le but est purement de se chauffer les doigts. Autrement, j'aime pas trop travailler des choses sorties d'un contexte musical. Donc j'essaye toujours d'être dans une tonalité, d'avoir une suite d'accords, d'avoir quelque chose en fait, un contexte qui se rapproche d'un contexte de jeu réel dans la vraie vie. Un des bénéfices de cette routine de travail, c'est que je vais donc travailler sur une tonalité par jour. Donc en imaginant que je travaille 6 jours par semaine, il me faudra 2 semaines pour avoir fait le tour des 12 tonalités. Donc c'est pas mal parce que c'est souvent une lacune qu'on a en tant que guitariste et plus largement que musicien. C'est qu'on n'est pas forcément à l'aise dans certaines tonalités. Donc là, ça m'oblige, en changeant de tonalité chaque jour, à passer à travers les 12 tons. Alors donc là, je t'ai montré les exercices que je fais pour m'échauffer. Donc c'est quelque chose qui me prend une quinzaine de minutes en général. Après, j'ai une autre routine de travail qui est, elle, en 6 phases, qui est beaucoup plus détaillée, qui est comment dire, une session de travail complète sur 30 minutes minimum. Si ça t'intéresse, j'ai tout ça un peu expliqué dans un PDF que tu peux télécharger dans la description sous cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner et je te dis à bientôt.